Salut Anaïs, est-ce que tu peux m'expliquer l'expression ne pas perdre le nord, s'il te plaît? Oui, alors l'expression ne pas perdre le nord signifie que quelqu'un essaie de parvenir à ses fins d'une manière plus subtile et plus maligne. C'est encore une fois ne pas être direct, ne pas aller droit au but et de le faire de manière détournée. Est-ce qu'on peut le dire à propos d'une personne qui est carriériste? Par exemple, elle travaille dans une entreprise et essaie de manipuler les gens. Oui, après, ça se dit davantage dans des situations cocasses, comiques du quotidien, moins que dans le domaine professionnel. Par exemple, une femme qui aimerait avoir un mari et qui se retrouve dans un bar avec des copines à elle pour boire un pot. Va subtilement se rapprocher d'hommes et de manière détournée, on va dire, ah ben dis donc, celle-là, elle perd pas le nord, elle a toujours pour objectif, pardon, de se trouver un mari, donc elle va nous abandonner et elle va continuer à faire enfin, à essayer d'obtenir ce qu'elle désire au fond d'elle. D'accord, merci.